Et bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue. Bienvenue pour un nouvel épisode sur Timberborn, et bienvenue pour la suite. Aujourd'hui, on se retrouve alors que nous sommes dans notre petit village, voilà, notre petit village tout gay et tout joyeux, tout simplement. Et qu'il est, j'allais dire, absolument foireux. Oui et non, en vrai, il marche plutôt bien pour le moment. On est dessus alors que nous sommes en train de développer donc un système, on va dire, de rentabilité un peu plus maximisée au niveau du bois. C'est-à-dire qu'on va replanter nous-mêmes des arbres parce que c'est beaucoup trop lent à se produire à l'heure actuelle. Nous avons nos plants de carottes qui sont en train de se développer en grande pompe. Il y a tellement de carottes. Tellement de carottes, effectivement. On n'est vraiment pas loin. On n'est vraiment pas prêt à tout préparer avec les trois castors qui sont là. Mais ce n'est pas grave. Nous avons un petit entrepôt avec des baies ici. Nous avons commencé à préparer notre première scierie juste ici. C'est une très bonne chose. Nous plantons des sapins. Des sapins à plus savoir quoi en foutre, tout simplement. Sachant que... Alors, on va essayer d'optimiser tout ça. Démolir ce bâtiment-là, oui. Ce bâtiment-là, oui. Est-ce que je mets des choses là? Ah, je peux mettre... C'est dans les besoins. Meule à aiguiser les dents. Pour les dents cassées, voilà. À mon avis, ça va être ici que ça va être mis à rude épreuve, tout ça. Et il va me falloir du pain. Voilà. Parfait. Donc on se retrouve donc pour le deuxième épisode. Voilà, alors que le premier épisode, j'étais très 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 content. Parce que... tout simplement. On avait pas mal de projets. C'était pas trop mal fonctionnel, tout ce qu'on avait fait. Dans l'absolu, voilà. Alors que nous plantons le maximum de sapins. Dans l'idéal, si on arriverait à avoir les deux là... Ces deux-là, et avoir les quatre là pour bouffer du bois, littéralement, ce serait parfait. Alors qu'on prépare un peu de planches aussi. S'il va nous en manquer. Il va nous en manquer une grande quantité. Hop là, après ça, je vais te mettre en stand-by. Et tu vas partir sur le... Voilà, tu vas partir sur un des postes à côté. Pourquoi? Parce que celui-ci, il va disparaître. Celui-ci va disparaître. Pour laisser place au reste. Voilà. Donc là, nous allons avoir exactement les mêmes postes, exactement les mêmes fonctions. Juste, on va... voilà. La meule aiguiser les dents. Ça va être parfait. Au moins, ce sera fonctionnel. Tac, tac, tac. Ah, à moins que... Ok, je suis en train de réfléchir à des choses. Et je me dis que je pourrais pas faire de bâtiment au-dessus parce que là, il va y avoir ça. Sauf... Si justement, peut-être que je place quelque chose juste là, ça s'arrête là. Et qu'en fait, ça passe par de ce côté-là. Ça va être absolument pas optimisé sur le début, mais ce n'est pas grave, encore une fois. C'est une semi-découverte. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je mets... C'est à peu près ce que je fais, mais on verra dans la fin. Ça... Sur la suite, ça risque d'être bien moins le cas. Je peux vous l'assurer. Ok. Des carottes sont en préparation. Un grand tas avec 11 rondins. On a combien de rondins en circulation? 13? Pas beaucoup. Hein. Pas beaucoup, pas beaucoup. De toute façon, après... Et il faudrait aller de ce côté-là aussi. Aller de ce côté-là. Et ça, ce serait plutôt appréciable. Pour aller là... Je pourrais essayer de faire un barrage là. Attendez. Une pompe, deux pompes. Et donc ça voudrait dire à partir de là. Où je prends une plateforme. Plateforme en termes de ressources pures, je crois que ça va me coûter moins cher. Je sais pas, attendez. 20 bûches. Pff, oh là là, quel enfer. Alors que si je prends juste des plateformes, je prendrais moins, mais ça me prendra des planches. Bon, en termes de bouffe, on remonte. Ça, c'est une très bonne chose. On va voir la suite, on va voir comment on va faire tout ça. Alors que là, on ramène la dernière planche pour cet endroit-là. On n'a pas eu de nouvelle naissance depuis. C'est pas si grave en vrai, je vais pas m'en plaindre. Parce qu'au final, c'est pas plus mal, je pense. D'ailleurs, ça c'était quoi? Ah, je peux mettre un habitant. Et c'est vraiment pour combler un trou. C'est vraiment pour combler un trou. On va découvrir la suite de toute manière. Là, il y a pas mal de choses à faire.
Donc là, avec deux forestiers, ça va envoyer du bois. Hein. Ça va envoyer du bois. Hop là. Parfait. Ah, on a eu un... Alors, on en a un qui a grandi. Et un qui a une nouvelle naissance. Ok. Une nouvelle naissance, on avait dit, la dernière fois. Hop là, de mettre une petite cuve en plus. Pour pouvoir s'assurer des stocks un peu plus importants de flotte, si jamais. Dans le pire des cas. Je m'ai fait beaucoup de planches, je suis pas sûr. Hein. Je suis pas convaincu que ce soit si utile que ça. Ok, ça plante. Ouais, s'il peut vraiment planter jusque là-bas. Ah, le maximum, même dans l'idéal, ce serait... Pour optimiser la surface jusqu'ici. Voilà. Bon, avant qu'il s'est planté jusque là-bas, on est bien loin de tout. Hein. On est très loin de tout. Hop là. Ils sont pas mal. En termes de bois, il n'y a pas grand chose toujours, donc ça... Je vais en détruire un, puisque je les vois mal. En fait, il n'y a plus rien. Il n'y a plus un seul bout de bois qui va réapparaître ici, j'ai l'impression, c'est une catastrophe. Et... Bloque l'eau, mais on laisse passer un peu grâce à un réservoir sur le dessus. 1, 2, 3, 4, 5, ça me ferait 100 bûches. Ish. Je pense que là, ça va être ton dernier rondin que tu vas me faire, celui-là, parce que, à mon avis, je vais en avoir besoin d'un peu plus. La surface est grande, hein, quand même, hein, quoi qu'on en dise. On pourrait aller jusque-là. Bon, déjà, juste ne serait-ce que faire ça, déjà, on va prendre du temps, hein, ça va prendre beaucoup de temps. Et en soi, le cycle va prendre... Le tout, c'est juste d'attendre que les premiers pains soient prêts. Ça va me prendre aussi beaucoup, beaucoup de temps. Je pourrais passer de l'autre côté, moi. J'aurais vraiment passé de l'autre côté pour avoir un point de vue court terme, ou plus. Non, toi, tu me diras... Tu vas arrêter de faire des planches, ça n'a pas grand intérêt. Ça n'a pas grand intérêt à l'heure actuelle. Alors que lui est en train de s'enquiller une bûche encore. Qu'eux sont en train de faire de récolter un maximum de carottes. Et qu'elles sont à 55%, donc oui, c'est là on est sur un cycle infini. Là. On est plutôt bon, maintenant faut juste s'assurer que tout soit à la bonne... qu'on puisse suffisamment contenir notre population et contenter notre population en termes de bouffe. En vrai, il n'y a pas de raison. Il n'y a tellement pas de raison au vu de ce qu'il y a. Hop là, troisième réservoir de flotte. C'est appréciable. Bah voilà, voilà comment avance notre joyeux petit village. Est-ce que je mettrais pas un petit côté bien-être, là? Ça doit être un endroit qui va être un peu passif. Ou autrement, je peux peut-être le placer là. Et avant qu'il y ait quoi que ce soit ici, il y a du temps, je pense. Voilà, et on sera juste à côté de tout. Voilà. Et donc là, on met un peu de bonheur dans ce beau monde. C'est magnifique. Ils ont des baies à disposition, ils ont très peu. D'ailleurs, ils les ont surtout pas finis, les baies. Hein. Eux, les carottes, ça les intéresse beaucoup plus d'un coup. Ouais, fait cher. Si je mets ça comme ça, je suis où en termes de distance? On est à 33. 33, ça a l'air d'être correct.
Je suis à 40, c'est encore dans un petit vert un petit peu jaunâtre. En termes de distance, on est pas mal. Je vais pas mettre de ferme, ça c'est une certitude, mais je pourrais mettre seulement des entrepôts, du matériel. Un poste de transport ici, ou je le mets de ce côté-là, autrement ça peut bien le faire aussi. Hop, si je le mets là. Mais à quoi ça me servirait à l'heure actuelle? À rien. À rien, puisque hormis optimiser le déplacement des carottes, c'est tout. Hein. Et on a plus de plan, on a plus de bûches, non, parce qu'elles ont été toutes envoyées là-dedans. Ok. Ah si, par contre, peut-être qu'on peut faire ça pour le court terme. Hop là. Drapeau de bûcheronnage pour aller juste choper les 4 dernières bûches qui se battent en duel là-bas. C'est une bonne chose. Et là, il y a vraiment moyen de faire un petit pont assez rapide et assez facile. Et de choper une quantité de bois. Surtout que là, il y a des chaînes et les chaînes, ça rapporte un max. Et ça, c'est bien pour mon plus grand plaisir. Bon. On n'est pas rendu, hein, avant que... Donc tout soit utile. On a 4 planches. 4 planches qui sont en stock là-dedans. On a 100 points. Oh, petit 100 points là. Pas de temps de prendre l'escalier en bois. Ou la plateforme. Quoique. Non, pas forcément la plateforme. Enfin, tu me diras. L'escalier, si l'escalier est en bois, est une bonne option quand même. Voilà. Il faut 4 planches à rondin. Je sais pas ce que ça va nous coûter plus que. Plus que l'on a actuellement. On a 21% de croissance. C'est long, mais ça se fait. Je pourrais faire un barrage là-bas, mais en fait, c'est pas le. J'ai pas envie de faire un barrage en tant que tel, j'ai surtout envie de recevoir de la. J'ai envie de récupérer du bois. Et 20. Est-ce que c'est si rentable que ça? Après, tu me diras s'ils mettent 20 bûches pour. 20. Ouais, ça ferait beaucoup quand même. Parce que même l'endroit le plus court, il est là. Il y a 60 bûches. Alors, certes, ce serait rentable d'une certaine manière, mais. Ah, à quel prix? À quel prix? À quel prix? Ok. Bon. On va voir ça. Ok, le stock de carottes est un peu plus conséquent qu'il ne l'a été. On ne va pas s'en plaindre. Là, on a trop de flotte. Il nous faut du rondin. Il nous faut du beau rondin. Pendant que eux sont en train de... On va mettre une pompe à eau et un bâtiment de forestier en prioritaire. Voilà. Donc après ça, on va pouvoir mettre ça, ça, c'est quoi? C'est du pain. Très bien, très bien, très bien, je vais pas m'en plaindre là-dessus. Hop, le drapeau de bûcheronnage, voilà. Ce serait bien d'avoir, ouais. Un maximum de tout. Donc là, si je pompe... Attends. Je mets des pompes à côté et que je veux faire un truc digne de ce nom. Non, quoique, non. Pas crédible pour le moment. Réfléchir. Est-ce que je fais autrement? Mais non, 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 ça paraît plutôt bien. Je pense que ça va être compliqué à terraformer, hein, par contre. Hein. Toute la région, là, toute la zone.
Mais un jour, dans l'idéal, moi, ce que j'aimerais bien, c'est vraiment faire une vraie cité, mais genre, tellement carré. Genre, je veux faire le New York des castors. Ça me ferait vraiment beaucoup trop rire de faire des buildings et tout. Mais je pense que ça va être difficile. C'est pas impossible, qu'on soit clair. Pas impossible, mais très compliqué. Oh, d'où on grandit. C'est bien, parce que je sais toujours pas quoi en faire. Il y a deux bûches qui sont là. Il y a lui qui va aller couper des bouts de bois là. Hop là. Après, si je dis pas de conneries. Normalement, ouais, ça t'a des. La flotte est pas toujours au même niveau. Et ça, c'est peut-être un problème aussi. Et il y a l'eau infectée en dehors. Mais après l'eau infectée, on peut la. J'avais vu qu'il y avait des bâtiments pour la gérer. Alors ça aussi, ça m'a intrigué. Hein. Assembleur de bots. On peut vraiment faire du Frostpunk. Et ça me hype. ça me hype. D'ailleurs, Frostpunk 2, petit intérêt hein, dessus. Hein. Je sais que c'est une des premières séries que j'avais faites. Elle a pas très bien vieilli alors qu'elle a que 2 ans. Mais j'avoue que le 2, j'ai bien envie de prendre ma revanche dessus. Jour 13... Ça coupe du bois parce que bah il faut couper du bois. Ok, ça c'est un bâtiment de vie sociale qui est bien et qui est apprécié. C'est une très bonne chose. On est monté au niveau 5 en termes de plaisir. Si on va peut-être pouvoir oser quand même. Une plateforme. Ah, je voudrais bien des plateformes aussi, j'avoue, hein, mais. Ah. En fait, ça dépend comment on quadrille la zone. Ou non, on va essayer d'exploiter ici d'abord. Donc là, tac tac. Barrage là, on pourra mettre. Ouais, on va voir. Ok. On va faire ça. De toute façon, je. On pourrait pas faire mieux, ça va me coûter une blinde en bûche, mais c'est pas grave. Voilà. De manière. On produit un maximum de bois pour le moment. J'en ai deux au chômage technique. Deux chômes dus. Ah, c'est. Après, dans le. On pourrait. Peut-être tenter de mettre un deuxième drapeau de bûcheronnage histoire d'extraire tout ça plus vite. Mais est-ce que ça vaut la peine? Si oui, puisqu'après, plus vite on chopera là, plus vite on pourra aller là. Ça pourrait être intéressant. Voilà, on a un peu plus d'un tiers en termes de bois. Il y a une touche qu'il faut que je remappe. Parce que chaque fois je chope un bâtiment au pif et contre mon gré. Littéralement. Donc s'il y a du. On fait quand même des grosses quantités de bois, c'est bien. Hop là. Lui j'aimerais bien qu'il soit en chantier en priorité. Et on a commencé. On commence à rechoper ça alors qu'on n'a même pas récupéré tout ça, bah dis donc. Putain, on. Ça va le faire. Ça va, ok. Ça va être pas trop mal. On a deux enfants, on n'a pas d'autre lit pour le moment. C'est pas si grave, ça ne me choque pas plus que ça. C'est là où je me dis que si la plateforme, ça va être utile. La plateforme, ça va être quand même utile. Est-ce que je m'en mettrais pas un dans une scierie? Ça me ferait un peu de bûche, ça pourrait servir. Voilà, on a plein de sympas bien rangés. Oh, et si, je sais ce qu'on fera. On va faire des troncs, on va faire des cours d'eau dans lesquels ça va circuler avec des systèmes d'écluse. Oh, j'ai tellement d'idées. Oh là là, j'ai des petites idées. C'est genre avoir ça, genre. Parce que. Attends.
Oui, ça, ça sert de route. Oui, c'est, ça peut servir de route. Donc, en gros, tu mets ça. Tu mets ça tout le long là, pour faire une route. Tu laisses ce bloc de terre. Et tu laisses passer l'eau là-dedans. Comme ça, tu fais circuler de l'eau sur toute la zone. C'est fertile. Et dans le pire des cas, ce que tu peux faire, tu peux mettre une écluse au bout. Pour que ça rende stylé. Et gérer les flux d'eau. Mais dans la zone. Bon, ça, de toute façon, ça, c'est les bâtiments qui font être en stand-by. Pour le moment, eux sont très productifs. Ils n'ont pas fait tant que ça, au final, hein, avec... je sais pas depuis combien de temps ça fait... ils sont là, mais... on a 120 de flotte. Soit. J'espère que ça va pas trop emmerder, par contre, la roue hydraulique, le barrage. J'imagine que non, puisque ça c'est loin et qu'au final, il y a un moment, le cours d'eau, il va avancer. Mais j'ai toujours le doute. Et j'avoue que ça me ferait chier de soit perdre 50 planches, soit d'en perdre... 2, 3, 4, 5... 5, ça nous ferait... beaucoup trop. La réponse est beaucoup trop. Oui, ce que je peux faire aussi, d'ailleurs. Si on veut avoir une vision un peu plus long-termiste. Alors, c'est où? Je veux juste vérifier un truc. Une roue, ça fait 2 de largeur. Là. Et donc, c'est où? C'est où tout ça? J'ai oublié. Là. Une digue. Ça nous coûterait 12 de bois, mais ça ferait que ça séparerait en 2 flux. 2 flux que si on maintient sur tout le long. Après, on peut mettre genre 2 roues. Et là, une bonne petite... bon petit système hydraulique un peu plus optimisé. Par contre, attendez. On peut passer là-dessous. On peut pas. En fait, je me pose la question. On peut... juste un bloc, hein, on est d'accord. Non, mais je... ah, ça, c'est juste un bloc. Je suis pas sûr qu'on puisse passer dessus. Donc, ça voudrait dire... on pourrait mettre un passage derrière... donc mettre une écluse genre là, mettre les roues au devant. Ok, donc il faudra un cran d'avant. On pense. J'ai dit, hein, on pense long terme. Si on peut pas faire bouger les choses, c'est très bien. Quoi? Oh fuck! Qu'est-ce que c'est que ça? Ça me rassure pas du tout! Cela ne me rassure pas du tout. Alors, ce qu'on va faire... ah, est-ce que je fais réellement ça? Ah putain, mes projets. j'ai fait un bout de boue. Pas sûr que ce soit si utile, au secours. Réservoir. Petite cuve. 1, 2, 3, 4. Et on met ça comme ça. Et... priorisation, Qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Sécheresse. Oh. J'appréhende. Mais vous allez pas me mettre... des bûches là-bas, je crois que c'est con. Ok. Alors, j'ai pas mal de bois de dispo. Donc, on va pouvoir faire des réservoirs. Ok. Ouais, mais merde, mais ça va pas pousser ici. Justement, je pense que ça va être comme dans Frostpunk. C'est... il y a du froid qui arrive et il n'y a plus rien. Au secours. Donc dans 3 jours, faut que je sois prêt. Donc sécheresse, bon bah j'imagine qu'il faut de l'eau. Ah, après je... ouais, non. Je suis pas confiant.
Je suis pas confiant du tout. Bah écoutez, on... Déjà que j'avais, je me demandais si j'allais vraiment faire des enfants, bah je pense que non. Là, la réponse, ça va être directe et franche et... Oui, franche et simple. Est-ce que je fais une zone résidentielle là? Non, ça m'intéresse. Ah, quoi que... On regardera. Ça, c'est triple hutte. Oh putain, je peux faire ça comme ça. Ou je peux faire ça. Oh. Ça m'intéresse aussi. Pour remplir l'espace. Ok. Faites des stocks de bouffe, faites des stocks. Stockez tout, stockez tout. Ah bah, ils vont être... Putain, mais il y en a tellement qui vont être au chômage technique avec ces conneries. Attends, puisque... Si en fait, c'est le problème, c'est... S'il n'y a plus de flotte... Lui est au chômage, eux sont au chômage, eux seront rapidement au chômage, eux, j'imagine, seront au chômage. Je me pose la question si c'est réellement pertinent. Oui, bah si, c'est pertinent de faire des bûches. Hop là. Plein de petits réservoirs. Allez, on pompe, on pompe, on pompe. On fait de l'eau, je veux pas le savoir. Si on peut monter... Ah, j'en sais rien. Je sais pas combien de temps ça va durer, je sais pas combien de temps. je sens le déclin de la population qui va être rapide et absolue. C'est... Ok, on va voir. J'ai envie de faire plus de planches. Putain, mais j'ai 9 planches en fait. Je suis en train de me rendre compte. Mais ça va me servir à quoi d'avoir autant de planches? En fait, ta dernière planche, de toute manière, là, t'as. Ah. À aussi peu près, je pense qu'il peut se la permettre, la dernière planche. Après, en même temps, si j'ai besoin de faire. Après, tu me diras, je peux... faut que je fasse un maximum de ressources maintenant. C'est ça, faudrait que je produise un maximum de ressources maintenant pour pouvoir ensuite pouvoir proposer à faire que de la construction. C'est peut-être con ce que je dis, mais j'y crois. Et moi, ça me paraît crédible. Je pourrais choper des belles là, mais à quoi... À quoi bon? Vraiment. Je pourrais mettre un... J'avoue que, par contre, faire un barrage là... En fait, si tu fais un bar... En fait, faut qu'on regarde comment fonctionne le système de sécheresse. Parce qu'on pourrait tenter de faire des retenues d'eau, mais est-ce que c'est juste la chaleur qui va évaporer toute l'eau? Si c'est ça, je suis baisé à fond. Sur l'idée que j'avais. Si ce n'est pas le cas, peut-être moyen de faire quelque chose de... Peut-être moyen de moyenner, vraiment. On a 14 rondins en stock, là. 42 au total. Il y a beaucoup de rondins de ce côté-là. Merde. C'est un castor qui est mort. J'ai chié. Toi, arrête. Tu reprends ce travail-là. Tu lâches ce bout de bois, j'ai dit. Tu lâches. Il est dissident. Oh, et je suis un... Il a 6 de bonheur. Peut-être quand. Hein? Parce qu'il doit aller au feu de camp. Ok. Non, vraiment, sans déconner, par contre, Billy, il va falloir... Ah, oui, pardon. Faut lui dire d'arrêter de travailler. Il y a un poste à pourvoir, mais il faut le licencier quand même avant. C'est surtout ça. Je sais pas combien je vais stocker avec ça. 150 pour le moment. Plus 2 autres. Ouais, on va vraiment arriver, on va arriver aux 200. Je me pose la question sincèrement. Comment on va faire pour
Non, mais il va falloir qu'on développe la population quand même. Là, ça va être essentiel. Non, bah de toute façon, c'est pas des bâtiments qui sont prioritaires. C'est pas des bâtiments prioritaires, tout ça. Donc on va pas s'y attarder maintenant. Persuadé que ce serait une bonne idée, ça aussi, mais... Ça peut être tout aussi une idée de merde. Je suis en train de jouer avec les flux d'eau, c'est pas forcément une très bonne... Lui, il est en train de faire des planches depuis tout à l'heure. Mais en même temps, oui, puisque de toute façon, faut qu'il efface ses planches. S'il les fait pas maintenant, les planches, il les fera jamais. C'est pas pendant la période de sécheresse qu'il va les faire. Parce que j'imagine qu'il n'y aura plus de flotte. Moi, ça me paraîtrait logique. C'est-à-dire qu'ils vont... Ça va crever aussi les semis de carottes, non? Si. Récolter. Faut qu'ils récoltent en prio. J'ai très peur de ce qui va se passer. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi... C'est dans ce sens-là et... Oh, voilà. Oh, voilà. Oh, voilà. Oh wow. Il en a quelques... Non, il n'a pas grand chose à faire. Hein. Non, il n'a plus rien à faire. Lui, il est au chômage aussi. Oh, ça va tellement se retrouver au chômage. Faire de la cueillette. Faire de la cueillette s'il y a des baies qui sont prêtes. Il y a des baies qui sont prêtes. Avec les 5 planches là. Il en fait du rondin, hein. Il en fait quand même. Hein. Il a fait 14 planches. Dans 1,5 jours, c'est la marde. C'est la merde dans 1,5 jours. Mais je sais pas trop en fait comment je vais gérer ça. Je fais juste des stocks de flotte. Hein. Faut pas se mentir, hein, c'est... Pour le moment, je peux pas faire beaucoup mieux. Et je vais récupérer toutes les carottes que je peux. Parce que là, je me vois mal autrement. Je me vois mal faire survivre des carottes. Alors qu'il y a une potentielle sécheresse. J'ai eu une naissance. 70-88%. Ok. Deux bientôt futurs adultes. Ah, ils sont en train de continuer. Ok, ils sont en train de continuer le barrage. Ça peut potentiellement être une option. Si on met un barrage, qu'on empêche l'eau de partir. Bah oui, mais non. On va voir. Allez, récoltez-moi un maximum de carottes avant qu'elles flétrissent. Oui, ils sont en train de planter des arbres. Je sais... Si, à mon avis, les arbres, ça va pas... Ah, si, moyen que ça... En fait, je sais pas combien de temps ça va durer. Si ça dure autant de temps que ça... On va se trouver à faire n'importe quoi. Rien à porter. Merde. Ah, là-bas. On a pris tout le bois. C'est une catastrophe. Ok. Il va stocker au centre. Toutes ces briques. Il va me couper cette arme. Ok. On a refait un stock de baies. Ce qui est une très bonne chose. Putain, ils ont la dalle. Ah, gamana gamana, man. Pardon. Vitesse de travail, moins 50%. Wow. Ils ont pratiquement terminé la digue. Très bonne chose. Voilà. On va faire ça comme ça. On va voir après si ça... Ça peut servir un jour, mais bon. On va prier. Prions pour que la flotte fonctionne. Et vous pompez, hein. Pompez à fond. Pompez à fond dès que vous arrivez. Allez. La sécheresse commence.
Au moins, il n'y a pas de ressenti particulier. Ça prend peut-être un peu de temps. Peut-être qu'on a un peu de délai. Bon, en attendant, on va falloir maximiser nos chances. Moi, je vois pas de différence. Hein. Ouais. Quoique... C'est moi le flux d'eau à baisser. C'est ça? Non. J'ai dit non. Oh putain, si. C'est ça. C'est que c'est en train de diminuer. Oh merde. Oh merde. Oh putain, le barrage. S'ils avaient pu finir à temps. Bon, pomper, pomper le reste de flotte qui reste. Hein. Pomper, 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 pomper. Oh, lui, il est en train de baisser en puissance. Là, c'est plus très efficient. Là, on a 50% de productivité. Alors, on a un peu de chance. C'est que j'ai l'impression que vu qu'on a un énorme... Vu qu'il y a une énorme surface là, qui est en fait à l'étage supérieur, si on pourrait dire ça comme ça. Ah putain, ça c'est fini. Et lui, il n'y a plus rien aussi. Eh bien, ça prend un peu de temps et donc on a de quoi pomper. On pompe, 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 pompe. Ce qu'on va faire, au-delà de ça, au demeurant, c'est une digue. Là. Ouais, on va... Oh putain, j'ai pas tant de planches que ça. Tant de bois que ça. Ah. Ok, faut qu'il récolte tout. Ouais, pour le moment, ça a l'air d'aller. Alors, j'ai l'impression qu'ils vont... Ils vont en chier pour choper la moindre quantité de flotte rapidement. Et là, ouais, on est à... On est très bas dans les produits, dans la production, là. Et de toute façon, j'aurais pas assez de bois pour faire quoi que ce soit. Ah, je peux peut-être tenter de planter. Continuer à planter des pins, ouais, ça reste quand même une valeur sûre, j'ai l'impression, les pins. Voilà. Ah oui, et donc ça... Ah, j'en ai plein qu'on grandit. Pour le moment, ça va. J'ai pas trop le ressenti. Mais... Oh oui. Oh oui. Oh là, c'est la merde. Là, c'est... Là, on pompe les dernières gouttes de flotte. Ça dure 2,5 jours quand même. Ça va. Enfin, ça va. J'en sais rien si ça va aller, mais... On peut partir de l'hypothèse que ça va aller. Après, par contre, quand ça a des grands étangs comme ça, oh, ça peut être pratique. Ça donne des idées, hein. Ce genre de fosses. Tu fais des énormes fosses de flotte. Ah, ça pourrait être utile. Hop, vous récoltez. Il y a pas mal de carottes, quand même. Là, on est très bien en termes de carottes. Donc, matériaux de construction, bah oui, bien sûr. Logique, j'ai plus de bois. Ah bah là. Mais on a 14 jours, ok. Ah donc 12 jours quand même pour celle-là. Pour des raisons qui me sont obscures, mais... Lui, il pousse encore un peu. Lui. Il va pouvoir récupérer les quelques baies qui restent. Et on pompe un maximum de flotte. Alors, en vrai, ça va aller... Mais ça va, je pense, très rapidement, ça... Oh merde! Attends... Ah si, l'eau de merde, l'eau infectée, c'est... Ça me rassure pas, là. Ça me rassure pas parce qu'il y a de l'eau infectée qui est juste devant nous.
Pourquoi il y a tant d'autres... Tant d'eau comme ça. Ok, là c'est... Ok, là c'est mort. On n'a plus rien. Ça va se maintenir un peu dans cette zone-là, mais... Ok, non, ça se maintient pas. Ça se maintient pas. Et on a de l'eau à moitié pourrie dans toute la zone. Ok. Alors là... Oh. Alors là, par contre, c'est la merde. C'est la merde et j'ai tout le monde qui est au chômage parce que j'ai rien à faire. Tu peux rien faire, rien du tout. Je peux limite commencer à préparer le poste de transport. Donc on va le mettre genre là. On commence à y placer les planches. Est-ce qu'il y aura un autre bâtiment qui serait utile? Cabane de construction pour des constructeurs supplémentaires, non, pas d'intérêt. Pas du tout d'intérêt à faire ça. Des écluses. Les écluses, ça me tenterait déjà, hein, mais j'ai pas du tout le matériel non plus. Mesure la profondeur, le débit et la continuation de l'eau infectée. Je sais pas comment ça fonctionne. Je sais pas comment ça fonctionne, donc on va pas investir là-dedans. Statuer d'engrenage. Je produis d'engrenage à partir de planches. Quel enfer. Quel enfer, quel enfer. Ok. On était à 200. On était à 200 de flotte. On a pu... on a déjà perdu un quart. Ça va bien se passer. Donc le toit terrasse, tout ça, on verra plus tard. Oui, ça, les essieux, c'était plutôt intéressant aussi, le fait d'avoir des... La possibilité de transmettre l'énergie, ça peut être bien. Bon. Pendant que tout le monde essaie de survivre et ils essayent de... Non, dans 1,8 jours. Ah, ça va... Ah, est-ce que ça va survivre? Ok, donc on sait déjà à quoi s'attendre. Donc, là, l'eau, on n'en a plus. Quel point d'eau viable encore, c'est celui-là. Et donc si on met un barrage là, on va pouvoir avoir toute cette zone-là de stock de flotte. Ce qui est appréciable. Non, on a mis nos 10 planches là-dessus. Bon, bah, il va nous falloir du rondin maintenant. Ah oui, mais par contre, on va pouvoir avoir du bois ici aussi. Et... Plateforme surélevée. Hop là, on va faire ça comme ça. Vous allez comprendre pourquoi, pour le moment... En gros, pour raison de simplification pour le moment, on va faire ça comme ça. Ok. Pourquoi? Parce que tout le monde est globalement allé au niveau de la terrasse. Très bien. Donc plus grand monde n'a grand chose à faire, hein. faut être honnête. On va rentabiliser les quelques planches qu'on a, mais sinon, hormis ça, c'est nada. Hein. C'est Kenny Canada. Et en gros, on va utiliser celui-là pour passer là et on va remettre des maisons juste au-dessus de cela. Enfin, dans un futur plus ou moins proche. Hein. Bon, j'avoue que ouais, ils sont. Là, on perd des jours de productivité de manière relativement alarmante. Hein. J'ai eu des décès. Bon, en même temps, j'ai des décès, mais je m'en rends pas tant compte que ça parce qu'au final, j'ai pas trop de. En vrai, ça va. C'est pas si alarmant que ça. On a de la flotte. Donc, c'est cool. Les stocks de carottes sont... J'ai l'air indécent, mais on va pas trop exagérer non plus. Ouais, n'exagérons rien. Et ça, je suis en train de réfléchir. Est-ce que ça baisse en niveau avec le temps? C'est possible, hein, mais... Je le vois pas tant que ça, en fait. Alors, j'imagine que si je le pompe, oui.
Mais ça permettrait d'avoir une cuve qui permettrait de continuer à irriguer tout ça. Et au-delà... Alors par contre, si on irrigue, peut-être que ça va faire baisser aussi naturellement la... Intéressant. Il y a vraiment des bons systèmes à faire. Ah, ça m'a bouffé la moitié de ma flotte. Ça m'a bouffé la moitié de ma flotte, quel enfer. Ok. Ça passe, ça passe, ça passe. Ah, et ça pourrit, ça pourrit, ça pourrit, ça fane. Le cycle commence. Le cycle 2, très bien. Oui, mais eux, ils sont au chômage technique. En fait, oui, mais de toute façon... Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils font rien faire. Et donc là, ah, ça revient. Ça revient progressivement. Mais ça vient de là aussi, j'imagine. Oui. C'est absolument dégueulasse. Oula, ok. Bon, c'est toujours aussi sec. Toujours en train autant de pourrir, mais... Ah, quand même, sans de... Et il faut du rondin, là. Il va falloir une quantité de rondin assez indécente. Du rondin à l'heure actuelle, bah, pour en choper, j'en ai pas. C'est pas tant de sources que ça. Hein. Ah, ils sont à 64% quand même de croissance. Donc, ouais, il faudrait. Il faudrait limite. Réfléchir. Il manque une planche. C'est pas grave. On va le faire. Voilà. Oh, les ruines en haut de la ferraille. Alors, en haut. Avant de s'occuper de la ferraille, ça va être un autre délire au cas. Et ça, c'est quoi? Des ruines en fuir, gauche de ferraille pour un extrait. Ok. Ok. Ça, on met action prioritaire, récolte. Les pompes vont pouvoir être relancées. Eux vont pouvoir recommencer à tout faire. Ok. Ah, et j'imagine... que... plus on va avancer, plus... Ah, les sécheresses vont durer longtemps. Oui, donc on va peut-être pas... Ça va peut-être pas durer... Si ça se trouve, on va finir de manière prématurée la série. Là, je suis en train de vous poser la question, là. Ok. Ok. Okay. Ça continue à pousser. Et là, on a le temps. On a pas mal de temps... ce qu'il va nous falloir, donc beaucoup de bois, ça c'est une certitude. Ensuite, il faudra qu'on prépare tout ça en plateforme. Limite, on va commencer à repréparer quelques maisons. 1, 2, 3. 3 maisons pour avoir 9 habitants supplémentaires. Vous pourrez commencer à grandement augmenter notre productivité. Ok. Voilà. Ok. Bien réagi en faisant 3 milliards de bidons. 3 milliards de ces choses-là. Ok. Ils vont replanter des carottes. C'est la bouffe, là, ouais. Dans un second temps, il va falloir encaisser le fait qu'il n'y ait plus de bouffe. Après, encore une fois... j'ai pas regardé combien de temps ils pourrissent. Mais ils n'ont pas pourri, donc c'est déjà une bonne chose. Je pourrais prendre littéralement une troisième cabane de forestier que je mets là. Et on développe. Il a une bûche. T'inquiète pas que le rondin il va disparaître vite. Hein. Il est parti. Ah, il est parti pour le... Pour le... Ah, par... Oh, les fruits, ils ont l'air d'être pas si mal faits. Hein. Au final... Oh, j'aime bien. Ok. Et donc là, on va faire un nouvel étage. Non, eux sont en train de faire tout ça. Celui
retirer. Oula. Ou 53. Ouh, ça commence à pas plaire là. Quand ça pas plaire, ça commence à être loin. Donc on va. Ouais. On va devoir se limiter un petit peu à cette zone là. Bah c'est très bien en vrai. Jusqu'à la rivière. On verra avec le temps qu'il nous reste 70%. Bon, au moins la flotte est de retour. Bah ça va rien. C'est officiel. Désormais. Là. Ok. Lui. Il marche toujours. En vrai, je pense qu'il va toujours marcher parce qu'au final, on retire. En fait, juste le niveau de l'eau va monter. C'est surtout ça que je me dis. Ça, ça peut potentiellement influencer. Mais en temps, le débit, par contre, il risque d'être toujours le même. Juste, il va descendre plus loin. Alors, ça peut potentiellement... C'est rien. Ok, note à soi-même, faire des cabanes d'inventeur par paquet de 10. Dès qu'on aura l'occasion. Parce que ça permettra de... Après, il y a quoi? Il y a observatoire, raffinerie, ouais, et après tout ça, c'est un peu plus technique. Oh, c'est stylé. Ça coûte... tout ce que ça coûte. Quel enfer. Ouais, on verra ça un autre jour. Ça, c'est sûr. Hop là. Ok, nos castors ont survécu à cette sécheresse. C'est une très bonne chose. Je pense qu'on va en arrêter là. Je vais juste laisser tout ça se faire. Ça va pousser progressivement. 12 jours de pousse. Pendant que eux continuent à planter un maximum aussi d'ailleurs. On est une naissance. On a 5 personnes en chômage. De toute façon, je peux les mettre où je veux, ça servira à rien. Ça servira à rien. Les deux seuls qui sont vraiment utiles pour le moment, c'est eux. C'est vraiment ça. Mais dès qu'on aura les planches, par contre... Enfin, dès qu'on a les premiers arbres qui vont pousser... Oh, t'inquiète pas. Oh, t'inquiète pas que ça va partir. Limite, j'ai envie de dire, on va faire une troisième cabane de forestier. Attends, ce qu'on va faire. Une cabane de forestier là. Pour le moment, on va faire ça comme ça. Voilà, c'est. C'est bizarre vu comme ça, mais. Pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude, pas d'inquiétude. Ok. On a des projets. On a des projets pour nos castors. Des grands projets. Alors que... Alors que les premiers arbres vont sans doute être prêts pour le prochain épisode. En attendant celui-ci, bah c'en est la fin. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve bientôt donc pour la suite. Je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, zou.